Médic, gardez-vous. C'est rien, c'est superficiel. C'est bon, c'est bon. Tu vas étaler là où ça te fait mal. Là, ici, là. Je t'en remets un peu. Merci. Tu mets du foin là où ça te fait mal. Heureusement que vous êtes là. Hein. Jeune homme qu'on vient de prendre en charge tout à l'heure, il s'est sans doute pris un éclat de grenade. Dans ma vie, je suis prof et je suis street medic depuis le 1er mai 2017. Pourquoi je suis devenue street medic? Il s'est trouvé que je suis allée dans les manifestations, notamment la loi travail, en tant que manifestante, et que j'ai subi là-dedans de la répression policière, de la violence policière. J'ai échappé de peu, très régulièrement, à des coups de matraque. Ça m'a gonflé beaucoup. Globalement, soit je me mettais à tout casser, soit je trouvais autre chose, et j'ai trouvé autre chose. Street Medic depuis 2 ans et demi, depuis les mouvements changement de constitution sur l'état d'urgence, puis Nuit Debout, Loi Travail, 1er mai. On soigne tout le monde dans tous les cas. Enfin, je veux dire que ça soit un gilet jaune qui soit blessé, que ça soit un flic, que ça soit un passant, on va soigner tout le monde.